Estamos. Alors, on y va, on commence. On s'est arrêté à la DAF, la médaille et Famouchini en bas de la page, dernière ligne de la Gemara. Amar Rav Nachman, Bechel Torah, en Hazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Bechel Sofrim, Hazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Donc, dit Rav Nachman, quand est-ce qu'on dit Hazaka Shaliach Oseh Shlichuto? Uniquement dans des mitzvot de la banane. De la côte de la banane. Oui. Par contre, quand c'est un dossier qui est minatora, on ne dira pas Hazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Très bien. Le Rav Shechet, Amar, et Hadze, et Hadze, Hazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Par contre, Rav Shechet ne fait pas de chilouk. Dans tous les cas, même dans Torah, on dira Hazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Amar Rav Shechet mena aminala. Rav Shechet veut amener une preuve à ce qu'il a dit, que même mina Torah, même dans des dynimes de la Torah, on s'appuie sur la Hazaka que Shaliach Oseh Shlichuto. Mena aminala, d'etnan. משקרב העומר מותר חדש, מיד. והרחוקים מותרים מחסות היום ואילך. קורבן העומר, on l'approche, d'accord? Et quand on l'approche... Oui. Quand on l'approche, on avait le droit de consommer la nouvelle récolte, le hadash. Donc, משקרב העומר... Ken, je t'écoute. Je te dis simplement bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir. Je peux lui dire, non? Je dis bonsoir, mais tiens, André, tu n'étais pas connecté. Tu étais là, mais sans être là. Oui. OK. OK. Très bien. J'ai eu justement Yahya au téléphone cet après-midi. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça va mieux, ça va beaucoup mieux, non? Baruch Hashem, non? Ah ouais, ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai rien senti, moi, dans sa voix. Ah, là, bon, là, là, aujourd'hui. Il reprend le travail que dimanche prochain. Bezrat Hashem. Allez. Et donc, on étudie les fois Yoram Bar Malka, parce que demain, il va faire un examen que moi, je... Un examen de ça, bon, à l'alcool hal. Toi, tu veux pas qu'il fasse. Hein? Mais il faut qu'il le fasse. Parce qu'il va le faire. Mais bon, c'est un peu désagréable, etc. Et puis, que le résultat soit bon. Amen, amen. Amen, tout là-bas. Donc, on a dit qu'on a une marloquette entre Rav Shechet et Rav Nachman. Est-ce que dans des sujets de la Torah, on peut s'appuyer sur Hazaka, Shaliach Oseh Shlichuto? Sur cette Hazaka-là que Hazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Alors, Rav Shechet, il dit oui, et il va amener une preuve. Amar Rav Shechet, Menamina, Dina, Mishkara Baromer, Utare Hadash, Miyad. Quand on approche le Homer, vous savez que le Homer, quand on l'approche, eh bien, on a le droit de manger de la nouvelle récolte. Avant ça, on n'a pas le droit. Bepashtout, il y a une source de manger. Bepashtout, il y a un interdit de manger de cette récolte-là. D'accord, Minatora. D'accord, juste comme ça aussi, je crois que tout ça j'utilise dans ma certaine chôte, ça m'échait. Mais il y a un hakam, il s'appelle Polat Yosef ici chez nous, qui dit que soit dans ta fée, il ne dit pas comme ça. Et bon, on peut répondre. Regardez là-bas, lui pose une question, il ne répond pas, mais on peut répondre. Comme le dernier, tout ça, il va répondre, a priori.
Bon, je parle un peu en code là. Quand on va faire le Inyan, on va mieux comprendre ce que je dis. Alors, Rav Sheshet dit, Michel Karab, dès qu'on a approché le Omer, Korban à Omer, donc le 16 Nissan, on a le droit juste après de consommer la nouvelle récolte. Ceux qui sont loin, qui ne sont pas Yerushalayim, qui ne savent pas quand est-ce que ça a été approché, ils auront le droit de manger la nouvelle récolte à partir de Hassot. Comment ça se fait? Oui, à Hadash de Oraitahu, pourtant le Hadash, c'est un djinn de la Torah. Vekatane, Arhokim Mutarin, Mehasotayomoelach. Et pourtant, c'est bien écrit que ceux qui sont loin, ils ont le droit de manger à partir de Hassot. Là, Mishum Hazaka, Shliach, n'est-ce pas que la raison, c'est parce que on va dire Shliach, Hazaka, Shliach, il fait sa Shliach. C'est qui, c'est le Shliach? Les Kohanim. Les Kohanim, c'est Shluchedidan, c'est nos Shluchim à nous. D'accord? N'est-ce pas que eux, ils vont faire leur Shliach rapidement, avant même Hassot. Donc, tu vois bien que sur un din de la Torah, on s'appuie sur Qui sont chaliens. Mais moi j'ai une difficulté là-dessus. Parce Vas-y. qu'il a dit, il dit, Michel Karab à Omer, au Khlemiyad. Très bien, Comment ça, je c'est vais ceux qui savoir, sont Michel? présents à Yerushalayim et qui Comment le je peux savent. En savoir, fait, ça, c'est Michel le Karab? djinn. Si tu es à Yerushalayim, tu sais. Oui, alors, vers Hokim, c'est-à-dire quoi vers Ceux Hokim? qui ne sont pas à Yerushalayim, qui ne savent pas. Ah, ils ne savent pas. Ah, ok. Ok. Très bien. Alors, comment Rav Nachman y fait avec cette preuve-là? Rav Nachman, Atam, Kedekatane, Tama. Là-bas, c'est comme la raison a dit, comme la Gemara dit là-bas. Les fils, Yodaim, Shen, Bedin, Mi'at, Mita'aslimbo. Parce que Yodaim, pourquoi on peut manger après Hassot? Nous qui ne voyons pas quand est-ce que c'était approché, quand est-ce que l'homme aurait été approché, parce que En Bedin Mita'aslimbo, le Bedin n'est pas paresseux. Il va le faire vite. Alors, t'as posé la question, mais qu'est-ce que tu as répondu? L'alam, le bedin, c'est un chaliach aussi. Non, ce n'est pas la même chose. C'est comme ça qu'explique Rashi. Rashi, Atam kedekatane tarma vechule. Première petite ligne dans Rashi. Ve abedina samchinan. Et sur le bedin, on peut s'appuyer. Aval a chaliach be'al mala. Enachenami, sur un bedin, hazaka bedin rosé shlichoto. Adam Yahid, un bonhomme comme ça, un shaliach, c'est pas sûr, te dira Rav Nachman, qu'il va faire sa shlichut. Point. Très bien. Ikad et Amré, il y en a qui disent qu'en fait, c'est le contraire, c'est Rav Nachman qui a amené une preuve pour lui. Ikad et Amré, Amar Rav Nachman, mena amina la dekatalita ma lefishyodim shen bedim mitazdim bo. La raison pourquoi on peut manger après Hassot, comme c'est marqué là-bas, la raison, c'est quoi? Parce que le Bedin, il n'est pas mitarcel, il n'est pas paresseux, il va faire le travail rapidement, avant Hassot. Donc déduit de la Rav Nachman, Bedin, hou de l'homme mitarcel, c'est parce que c'est le Bedin que lui, et Hazaka, qui va faire ce qu'il doit faire. Ouais, qui va pas être paresseux. Ah, Shaliyah, mais si c'est un Shaliyah Be'alma, mitarcel, donc, il peut être à cela, n'est pas le faire. Donc, on voit bien, a priori, de la couche à contre Rav Sheshet. Rav Sheshet Amalekha, Bedin Ad Palgede Yuma, Shaliyah Kule Yuma. C'est quoi la réponse? Bedin. Bedin Ad Palgede Yuma. Ça veut dire que le Bedin, lui, va faire le travail, c'est certain. Ouais, ce que la Gemara là-bas a dit que le Bedin. Parce que le Bedin, lui, il va te faire le travail même avoir Hassot. Tu peux t'appuyer sur lui même pour avoir Hassot. Mais un Shaliyah Be'alma, c'est vrai, pour avoir Hassot, il ne va peut-être pas le faire. Mais s'il a toute la journée devant lui, il va te le faire avant la fin de la journée. Regardez Rashi. Si c'est Bédine, pourquoi Hatsot? Encore une fois. Si Bédine le Matatslin, pourquoi jusqu'à Hatsot? Immédiatement. Oui, mais nous, on doit bien nous donner une horaire. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont faire le bedin le matin. Eux, en fait, ils ont toute la journée pour le faire. Mais ils ne veulent pas nous imposer toute la journée, donc ils ont fixé à Hassot.
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la cinquième heure au lieu de la quatrième, au lieu de la sixième, septième heure? Qu'est-ce que tu veux? Faut bien qu'ils fixent un zman, le bedin, n'est-ce pas? Ça dépend s'ils sont prêts tôt, un peu moins tôt. Mais en tout cas, ils se sont fixés comme barrière ne pas dépasser Hassot. Et ça, ils vont le faire. Rashi, Shaliach, Kuleyuman, Trinan, Omechimata, Leuta, Samchinan, Ale, Devadaylo, Avarayom, Matcheshamad, Avtahato. Le Shaliach, tu peux lui faire confiance. C'est vrai que si tu lui fixes une limite dans la journée, peut-être qu'il ne va pas te faire. Mais si tu lui as fixé la journée entière, il va te le faire avant la fin de la journée. Wow. Ça, c'est une première preuve. Tosfot, Al-Hokim. Ouais. Je ne fais pas encore tout de suite le premier Tosfot, je fais d'abord le deuxième. Al-Hokim Moutarine. On a dit que ceux qui sont loin, ils ont le droit de manger. Et Rav Chechet, il voulait amener une preuve de là, pourquoi chez les Hosei Shlechot. Alors, ce soit dit, je ne comprends pas, c'est quoi cette preuve-là? Mais c'est une mitzvah, ils sont dans l'obligation de le faire, les Kohanim, le Homer. Donc, ce n'est pas Mitam, c'est Mitam qui ne doit pas transgresser. Oui. C'est vrai, mais ils ont toute la journée pour ça. Et jusqu'à ça, c'est parce qu'ils veulent, ils sont les shlichim des autres. D'accord? Les fiches, donc ils vont être les shlichim des rehokim. D'accord? Et ça, j'utilise la chazaka. Quoi? Voilà, question-réponse de tout ça. Vehen gaber kinezava veyoledet. Afagav de mesouvin le atriv beotoyom, miha lo mihaive, ila mishum se somchot alehen, hazaka shelia chote shlihoto. Donc, Tosfot, ils disent la même chose pour le cas de Kinim qu'on va voir juste après. Donc, je reviendrai dans Tosfot quand je continuerai la Gemara. Alors, on y va, on continue la Gemara. Amar Rav Chechet. Mena Aminala, il amène une seconde preuve, Rav Chechet, comme quoi il a raison. Mena Aminala. Détania. Aïcha Sheesh allait à Leda au Zeva. Une femme qui a accouché, ou bien elle était Zava. Donc, à la fin de sa purification, elle doit amener des korbanot, d'accord, des oiseaux. Mevia Marot, elle prendra de l'argent, la valeur d'une paire d'oiseaux. Ouais. Et elle le met dans ce qu'on appelle des chauffards qui étaient dans le Bet-Amigdash destinés à ça. Mais le tel n'est pas chauffard, c'est en forme chauffard comme ça. Bas, en bas vers le bas, c'était large, et vers le haut, c'était en pointe comme ça. Donc, le tel n'est pas chauffard, mais tu veux le tuer au chélet de Bekadashim la Ere. Et elle pouvait, dès le soir, donc, aller manger les korbanot. D'accord? Ça veut dire que, bien qu'elle a fait sa purification, elle est encore mechoseret kapara tant qu'on n'approche pas les shtetorim ou les shnei bnei yona, un hatat, un ola, d'accord? Mais c'est bon, dès l'instant où elle a mis ça dans le chauffard, les kohanim, ils vont se débrouiller pour finir le chauffard avant la tombée de la nuit. Et donc, elle pourra faire cette vie-là et manger le soir même kadashim. Donc, on est en train de faire confiance absolue aux kohanim, d'accord? Sachant que si maintenant les kohanim ne font pas leur travail, ça s'appelle qu'elle est en train de manger des kadashim, betouma, ça s'appelle, les hayavet karet. Et on est somprime sur les kohanim. Donc, on est somprime sur cette hazaka-là, shaliach, qui sont les kohanim ici. Osin, shlichutan, shaliach, os et shlichuto. Donc, ça, c'est la deuxième, la preuve de Rav Sheshet. Maïtama, la mishum d'amrin hazaka, shaliach, os et shlichuto. Et comment il se défend Rav Nachman de ça? Rav Nachman atam kede Rav Shmaya. Là-bas, comme Rav Shmaya a dit, de Amar Rav Shmaya, Hazakan bedin shel kohanim omdim misham ad sheyechlu kol ma'ot shebashofar. Là aussi, là-bas, il y a un bedin shel kohanim. Bedin shel kohanim hazaka, qu'ils ne se lèvent pas de là-bas, ils ne s'en vont pas tant qu'ils n'ont pas fini tout l'argent qui se trouve dans le chauffard.
Donc, l'alam, je te dirais, Shaliach Be'alma, c'est possible qu'il soit mitrasel et il ne le fasse pas. Par contre, si c'est un Bedin, en l'occurrence ici, Bedin Shel Kohani, eh bien, il n'y a pas à craindre cela. C'est bon? Ouais. Alors, Tosfot, maintenant je reprends le Tosfot que j'ai fini là. Vechen Gaber Kenezava Violet et Afagav de Msouin la Kriv, Botoyom Yalom Yahaïv, il a Mishum Sesomchot Alehen. D'accord. Mais là-bas aussi, elles sont obligées de la porter, les femmes. Je t'étoile, je là. D'accord. Oui, mais ce n'est pas obligé que ça se fasse aujourd'hui. Ça peut se faire demain. Donc, comment c'est que tu peux, comment c'est que tu considères comme s'ils sont faits aujourd'hui, si ce n'est que Mitam, Hazaka, Shaliar, Ose, Shlihoto. Très bien. Là, il va y avoir encore une autre preuve de la chéchette. Avant de la faire, puisqu'après on va en rentrer dans un. Jusqu'à dans la fin discussion. De la Mishnah. La discussion, elle va traîner jusqu'à la prochaine Mishnah. Alors je fais Tosfot. Rav Shechet Amar, le premier Tosfot du Hamoud. Alors, le Tosfot ici, c'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir, nous, à la Khal et Maasé, on tranche comment? On tranche comme Rav Nachman ou on tranche comme Rav Shechet? Est-ce que dans Vindin de Oraita, on s'appuie sur la Hazaka de Shaliach Hotesh Lihoto ou pas? Tarabanan 8, tout le monde est d'accord. De Oraita Mahadjin. Voilà le point de Tosfot. Regardez Tosfot. Donc, Arav Rabbeinu Shimshon. Alors, comment tu lis ça, Amos? Arav Moi, je Rabbeinu pense Shimshon. Mais Paul, pour machin, quelque chose, hein? Ouais, qu'est-ce que tu aurais dit? Floride, mais je dis, c'est pas possible que ce soit Floride, parce que la Floride, la Gemara, c'est beaucoup avant la Floride qu'elle a été découverte. Moi, j'aurais dit, mais c'est pas sûr quand même, c'est Montpellier. Ah oui, Montpellier. Ah. Ouais, mais il manque un petit peu. Alors, Arav Rabbeinu Shimshon, peut-être c'est un autre, parce qu'il y avait marqué Mi. Moi, j'en ai mis oui. Montpellier, mais donc il manque, c'est pas juste que j'ai peut-être. De polir, je sais pas. Poser que Rav Shechet. Donc, Rabbeinu Shimshon, lui, il est poser comme Rav Shechet. C'est-à-dire qu'on est poser même sur les Deoraita, Hazaka, Shaliach Hotesh Lihoto. D'accord? Comme ça aussi, il est poser le Roche. Pourquoi il est poser comme Rav Shechet? Parce que le Baal al-Hot de Roche nous a donné un principe. Des barres à la croix de l'autre pour serre d'Alaka Kerav Nahman Bidjine, dossier d'argent à la Khalé Komrav Nahman, et les dossiers de Isur Veter à la Khalé Komrav Sheche, ou Kerav Sheche de Isur. D'accord? Maintenant, sachez que le Shulchan Aruch n'a pas tranché comme ça, mais il a tranché comme Rabbeinu Tam qu'on va voir tout de suite. Ou Rabbeinu Tam n'ira d'Acha à la Khalé Kerav Nahman. Ici, peut-être par ailleurs, c'est vrai, le principe qui dit Bahag, mais ici, là, la Khal est comme Rav Nahman. C'est quoi ta preuve? C'est quoi tes preuves? Tes preuves. Il va amener trois preuves. Première preuve. Dans ma serre de Gitin, de Berepel et Kitabel Amar, là-bas, on dit Baal Amal et Girushin, Michelish Amal et Girushin. Le Baal est dit, moi, j'ai donné le guet au Shalish pour qu'il la divorce. Il le donne à ma femme, pour qu'elle soit divorcée. Mais Shalish a mal égiroshin. Et même le Shalish dit la même chose. Veille au meret, Natanli, Avad. Et elle a dit oui, c'est vrai, il m'a donné le guet. Et maintenant, je l'ai perdu. Ça veut dire que nous, le Bédine, on n'a aucune preuve. Ouais, on n'a aucune preuve. Elle a dit, il me l'a donné, mais le guet, elle n'est pas entre ses mains. Le Shalish et Bémet, il dit oui, mais nous, on n'a pas de preuves. D'accord? Donc, la Gemara là-bas, elle dit, donc la Gemara là-bas, elle met palpel sur ce dossier-là. Et, entre autres, elle dit la chose suivante. En davar shebaerwa pachot mishnaim. La Gemara, elle conclut, la femme, on ne la considère pas comme étant divorcée, parce que c'est davar shebaerwa. D'accord? C'est-à-dire, si la femme, elle se marie avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle est encore mariée à son premier mari. D'accord, nous, le Bédine, on n'a pas de preuves.
On a besoin de deux. Un d'avoir chez Barwa, Pachot, Mishnaï. Ou Parir, Mead, Amar, Aomer, la Havero, Seu Kadesh, Lisha, Stam, Assur, Bechor, et Nashim, chez Baola. La Gemara l'objecte sur le djinn qu'on vient de dire à travers un autre enseignement. Le suivant. Réouven, il a dit à Shimon, va me prendre une femme. Shimon, il est parti et puis il est mort, par exemple. Il n'est plus revenu. Alors, peut-être qu'il a marié une femme, mais on ne sait pas aller où. Donc, le bonhomme, Réouven, il a interdit toutes les femmes. Pourquoi? Parce que la femme qu'il va prendre, c'est possible que c'est une proche de la femme qui lui a sanctifié le Shimon, son ami Shimon. Bon, il y a Shmaladoun pour. Valenkan Mekomo. Asur Bechol Anashim Shebaola. Pourquoi? Parce que je considère que le Shimon, il a fait sa Shlihout. Comment ça se fait que dans le cas qu'on vient de voir, tu me dis et dans le cas du mari, une seconde. Alors, pardon. Donc, Hazaka, Shaliach, Hosei, Shlihuto, on voit dans notre histoire. Et dans l'histoire du Shalish, là-bas, la tierce personne, qui a dit oui, effectivement, j'ai divorcé, on ne dit pas Hazaka, Shaliach, Hosei, Shlihuto. Et on dit que la femme, non, d'abord, chez Balva, il nous faut deux, on n'a pas de preuves. Même si la femme, elle dit oui, j'ai été divorcée, nous n'avons pas de preuves. Et on ne dit pas Shaliach, Hosei, Shlihuto, Kouchien. Voilà la Kouchia de la Gemara là-bas. Et qu'est-ce que la Gemara répond là-bas? Et la Gemara conclut, Omshane, Hanemile, le Humra, Vale, Kulala. Pour être Mahmir, on dit Shalia Hosei Shlihuto. Pour être Mekel, on ne dira pas Shalia Hosei Shlihuto. Donc tu vois bien que sur un din de Oraita, dit Rabben Utam, on ne dit pas Lekel, Shalia Hosei Shlihuto, comme Rav Nachman. Voilà ma première preuve, moi, Rabben Utam. Deuxième preuve. On peut perdre Kama de Holin Ami. Messik, l'éola min hazaka, shalia hosei shlihuto. La Gemara là-bas conclut, l'éola min hazaka, shalia hosei shlihuto. Ve omel shlucho se utrom li, malachu masa tarum. En hezkato tarum. Et celui qui dit à son shalia, je t'en prie, va chez moi et prélève-moi. Et il est parti. Le bar là-bas, qu'il est parti, il a trouvé qu'effectivement, il y avait une trouma qui était décalée de toute la récolte. Ouais. Bien, en hazkato tarum, on ne dira pas que ça, c'est que sa récolte est a été prélevée. Pourquoi? Regardez jusqu'où on va. Dilmaini shaharina shamar betaram. Peut-être, toi, tu as dit, toi, le Baalaba, il t'a dit à Réouven. Et Shimon, il a entendu. Et Shimon, c'est lui qui a fait le prélèvement. Mais Réouven, il ne l'a pas fait. Parce qu'on ne dit pas hazaka shelechote shiroto. Et c'est possible que Shimon, c'est lui qui l'a fait, mais comme toi, tu n'as pas mandaté Shimon, le prélèvement de Shimon ne vaut rien. D'accord? Voilà pourquoi on ne considère pas tes récoltes prélevées. Donc, on voit bien de là que, dans la Gemara de Holin, Daf Yud Bet, qu'on ne dit pas « Hazaka Shaliach Hosei Shlihuto ». Tu vas me dire, tu vas me dire, mais ça, c'est Rav Nachman qui parle. Bien sûr que Rav Nachman, c'est ce qu'il pense. Dans Holin là-bas, c'est Rav Nachman. Alors, tu as soit de répondre à la question. Mais quand même, la Gemara, finalement, elle a conclu, elle s'est arrêtée sur cette idée-là. Et celui qui lui a posé la question, il a accepté. Donc, on voit bien de là que c'est en tant que conclusion que la Gemara a dit ça. Donc, c'est que la Lacha, elle est comme Rav Nachman. Troisième preuve de Tosfot. C'est notre sugya à nous. Des raves shemaria de besamour, ça va nami que Rav Nachman. Des raves shechet, toi, yassalich, le haskat kohani. Quand Rav Nachman s'est défendu de la deuxième preuve de Rav Shechet, il a rapporté qui comme hacham? Un hacham qui s'appelle Rav Shemaria. Il a dit non, là-bas, on parle de haskat, bedin de kohanim. Si Rav Shemaria a eu besoin de bedin de kohanim, ça veut dire qu'il ne tient pas comme Rav Shechet. Il tient comme Rav Nachman.
Et pourquoi ça marche chez les Kohanim? Mitam bedin des Kohanim. Donc ça veut dire que ça fait deux contre Rav Shechet. Et Rav Shemaya et Rav Nachman contre Rav Shechet. Donc, troisième preuve. Comme quoi là, la chale comme Rav Nachman. C'est-à-dire que dans les dinim de Rita, nous ne dirons pas Hazaka Shaliyah Hosei Shlihoto. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot à partir de maintenant? C'est Tosfot au nom de Ri, Rabbeinu Yitzhak, Hazaken, il va repousser les arguments de Rabbeinu Tam. Veomeri, Demikol ze en raya de Rav Shechet en raya. De tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas de preuve contre Rav Shechet. Pourquoi? De Rav Shechet nami, letli hazaka shele hose shlihoto. אלא במקום שאם לא יעשה שליחותו, יבוא עם שלח לידי עבירה אם יסמוך עליו. ולכן, ולכך בגט אין השליח חושש ניתן גט. הלו, ריג'י, ותזכור רב ששת ילדי חזקה שליח חושש שליחותו, כל הסוכר שלו שליח נפפס לשליחות, למשלח ינפך עם עבירה. רואים? Ouais. Donc là, c'est sûr que le shaliach, elle va faire la shliachot. Voilà, et là, il s'engage davantage. Par exemple, dans l'histoire du guet, la première preuve que Rabbeinu Tam a rapportée, si le mshaliach, c'est-à-dire le shalish, il rapporte, il donne pas le guet à madame, en quoi les béralim, ça les dérange? Ils font une avera, ils font zéro avera. Ils vont faire une deuxième femme, une femme, et pas qui prend une deuxième femme, Mayesh. Oui, il ne va pas faire de Avera. D'accord? C'est pourquoi il se dit que ce n'est pas très important ce que je fais. Ça, la première, la ta'ana de Ri. Encore une fois, dans les mots, de la chéchette nami, let le hazaka shalia hose shlihoto, ella, bamakom sheim lo yaase shlihoto, yavo ame shalia lide Avera. Imis, mochalav, vela ulkar, beget et la shalia hose shlitenge. ועיד יכולין נמי, אינו חושש לשחוט ולתרום, שאם לא יתרום, יראה המשלח שלא תרום. סייב חלפה, היה, לא שלח עם חלפה. לא משלח, יברה, קריין כי הייתה חלווה. צינוע לאוס הרי כל, חלווה. עד שם ג'רי, קלפונס, כפותט, ענות ובחלווה, ספס, כאילו נתנדו, לא עשיך דעתי. כי נות פרסון כאילו נתנדו. Que le Mshaliach a nommé le Shaliach. Ça. D'accord. Viens t'asseoir à côté de moi. Viens. Alors. Vaïd et Cholin, Nami et Nochoshesh, Lishchot, Velitrom. Sheim lo Yitrom, Yirem Shaliach, Shinotarum. Mais là, je ne sais pas si ça. Qu'est-ce que je suis? C'est un garçon. Velo ainsi qu'adapté, Shema Acher Ishma Vitro. Point. Alors maintenant, j'ai repoussé la deuxième preuve de Rabbeinu Tam. Bonjour. Troisième preuve de Rabbeinu Tam. Uderav Shmaya, Nami, Kalem Emar, Delo Amar Kedel Itentam, Lama Somchin Ala Kohanim. Je peux expliquer que le but, ce n'est pas comme tu as compris, Rabbeinu Tam, que Rav Shemaya, il a eu besoin de parler des Bedjin, des Kohanim, pour repousser l'argument de Rav Shechet. Pas du tout, ce n'est pas ça le but de Rav Shemaya. Le but de Rav Shemaya, c'est une autre raison. Pourquoi il a eu besoin de parler de Bedjin, des Kohanim. Et là, le Yachem d'Ivre Rav, c'est pour expliquer les paroles de Rav, qui a dit dans Maseret Tzachim, En shohatin vezorkin al temesheres. On ne fait pas shrita et zrika sur temesheres. Ça veut dire quelqu'un qui est à tumacheres, ouais, on ne va pas lui faire son korban. Qui nous dit que, de korban pesach, je parle. Qui nous dit qu'il va faire cette vie-là? Ouais, bien que mikwe lefanenu, on n'est pas peut-être qu'il ne va pas le faire. Donc, afargav de mikwe lefanenu, dit ma pacha, dans ta ville. Peut-être il va être poché hein? Et il ne va pas faire cette vie-là. Aval, Shohatin Vezorkin al Mechosar Kippurim. Par contre, sur le Mechosar Kippurim,
Ça veut dire quelqu'un qui a déjà donné ses korbanot au Kohanim. Oui. Mais il Mais n'a pas. pour qu'il approche, il a tout fait lui, pour qu'il approche. D'accord? Bien qu'il y ait une villa, ben, il y a une villa aussi lui, mais cette villa, elle est que des Rabbanan. D'accord? Alors, donc, on ne regarde pas de quoi la villa des Rabbanan. Sur ça, on dira la Hadaka. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Bien que, encore, on n'a pas approché les Korbanot. Oui? On ne va pas craindre que peut-être il y aura une psha. Pourquoi? Pourquoi au niveau du bonhomme lui-même, on recherche peut-être qu'il ne va pas être Tovel. Et au niveau des Kohanim, on ne dit pas ça. D'accord? Réponse. 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 C'est quoi ce que dit Rav Shemaria? Bedin des Kohanim, ils vont le faire. Alors, je m'arrête une seconde là. Juste, je vais aller déposer le petit. Et moi, je m'absente pour dans 2 minutes aussi. Alors, pardon. Donc, c'est ça, voilà la réponse de Tosfos. Ça veut dire, c'est pas sûr que Rav Shemaria, il revient sur Rav Shechet, c'est possible qu'il revient sur l'enseignement de Rav là-bas. Et d'ailleurs, Tosfos dit, Vatam Nami Maïtila. Et bien, mettre l'enseignement de Rav Shemaria, on l'amène sur cette sugya là-bas. On continue la Gemara. Donc maintenant, on revient à la troisième preuve de Rav Shechet, comme quoi, dans un din de Oraita, on est sommaire sur aussi, on est sommaire sur Hazaka, c'est-à-dire Hosech Lechoto. Amar Rav Shechet, Mena Aminala, Netanya. Aomela Havero, Se Welaket Lecha Teenim, Miteenachi. Il dit à son ami, celui qui est à son ami, tu sais quoi? Va cueillir pour toi des ténim. J'ai un figuier, va prendre des figues pour toi. Aray. Donc, on peut manger de manière araï, d'accord? Ça, c'est pas un problème. Par contre, s'il veut le manger de manière keva, alors il doit prélever. Wadai. Il doit prélever. Et le prélèvement, c'est un din de Waddai. D'accord? Parce que là, il va les récolter. Il les récolte, et bien évidemment, donc il a ce qu'il a, Kamaperot et Shlo. Eh bien, il doit prélever le nécessaire. Parce que le Baalabaït, le Baalaténa, le propriétaire du figuier, il n'a pas prélevé, lui. Parce qu'il ne sait pas combien il va prendre. D'accord? Comme il ne sait pas, c'est pourquoi on ne peut pas. Il ne va pas le faire, il ne va pas prélever. Et c'est à celui qui mangera, hein, c'est à lui de faire le prélèvement nécessaire. Petite seconde. Pardon. Alors, dit la Gemara, donc dit cette Girsa je vous ai lu, c'est notre Girsa à nous. Dès le Ragav, sachez que Rabbeinu Hananel, il n'est pas goresse comme nous. Rabbeinu Hananel sur le côté là, il n'est pas goresse comme nous. Et Bémet, Salir Biol, comment, selon sa Girsa, il faudra expliquer. Mais nous, on va expliquer notre Girsa uniquement.
Donc je reprends. S'il lui a dit s'il veut manger de manière provisoire, il peut manger sans prélever arai. Mais s'il va les manger de manière fixe, et leur maaser, ça veut dire s'il va manger de manière fixe, c'est du wadai. Si par contre, il lui a dit le baal atena, le propriétaire du figuier, il lui a dit Malé lecha kalkala zo. Il lui a donné un panier, il lui a dit rempli pour toi, prends. Donc c'est un volume bien fixe, cette kalkala là. Donc là, il se peut que Béhémet, le propriétaire, comme il sait qu'il va prélever cette kalkala, il va donc faire le prélèvement lui-même. D'accord? Donc, s'il lui dit Malé lecha kalkala zo te ni mitenati, ochel mehen arai. Donc, toujours, s'il veut manger provisoire, c'est bon. Par contre, Maasaran de Maï, ça veut dire quoi? Maasaran Wadai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est possible qu'il ait déjà prélevé, mais ce n'est pas sûr. Donc, tu dois quand même prélever, toi. D'accord? Mais ton prélèvement que tu as fait, par exemple, Maaser Rishon, que tu dois prélever, tu le prélèves et tu le gardes pour toi, parce que ce n'est pas sûr qu'il n'a pas prélevé. D'accord? Et Maaser Sheni, je te montre à Yerushalayim. Donc, ça, c'est en tant que de maille que tu le fais. Mitam Safer, peut-être qu'il a prélevé, peut-être qu'il n'a pas prélevé. C'est ça ce qu'on dit au Maasaran de maille. Bamedvarim Amorim. De quel cas on parle? Alors, c'est quoi le Bamedvarim Amorim? Ça veut dire quoi ça? Donc, sur quoi on revient? Qu'on a dit que c'est indigne de Safer. C'est-à-dire, on revient sur le deuxième cas. D'accord? Il lui a dit, tiens, ce panier, remplis-toi des figues, mange ces figues-là. Mange les figues de mon figuier. Alors, il Bamet Varim Amorim, que c'est sa fête. Ouais. Et qu'il doit quand même prélever de maï en tant que de maï. Oui. Bamet Varim Amorim, Be'amares. Lorsque le noten, le Baal Athéna, ça veut dire le propriétaire du figuier, oui, eh bien, c'est un Amares. D'accord? Ou c'est possible qu'il ait prélevé, c'est possible qu'il n'ait pas prélevé. D'accord? Rashi dit Ben Amares, Shanoten Amares, ou Veno Choshesh Belifne Aywer. D'accord? C'est possible qu'il n'ait même pas prélevé. À l'autre, il mange, ben, il n'en a rien à faire ici. Il ne fait pas très attention à Lifne Aywer, le Titan Mirchol, le Amares. Par contre, Aval Behaver, si maintenant, celui qui donne les fruits, c'est-à-dire le propriétaire du figuier, c'est un haver. Alors, le comment on appelle ça là, celui qui bénéficie du cadeau, ouais, ochel veno sarich le'aser divrei Rabbi. Rabbi dit, il pourra en manger des figues sans avoir besoin de prélever. C'est-à-dire, Rabbi nous dit que quand on t'a dit que il t'a donné un panier, tu dois prélever Misafet, un din de Dmaï. Ouais. Ça, c'est lorsque celui qui t'a donné les fruits, c'était un Amars. Mais si celui qui t'a donné les fruits, c'est un Haver, ouais, toi, tu n'as rien besoin de prélever. Tu manges, c'est tout. C'est sûr que le Haver, il aura fait le nécessaire. Les prélèvements, que les fruits que tu vas manger, ils n'ont aucun problème. D'accord? Ça, c'est Shitat Rabbi. Le père de Rabbi, Rabban Shimon ben Gamliel, il n'est pas d'accord. Il lui dit le contraire. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Bamed Varim Amorim Be'amares. Ce qu'on a dit que tu dois prélever comme en tant que Dmaï, dans le cas où il t'a donné le panier pour manger des fruits, des figues. Eh bien, ça, c'est lorsque le donateur, c'est un Amares. Par contre, Aval Behaver, Enochel Achiaser. Si c'est un Haver, le donateur, c'est un Haver, eh bien, moi, qui bénéficie de ce don-là, je n'ai pas le droit du tout de prélever jusqu'à ce que, de manger jusqu'à ce que je prélève. Enochel Achiaser. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le haver n'aura pas prélevé. Pourquoi? Les filles, shelo nirchad haverim, litrom shelo mina mukaf.
Le havarim, il prélève que lorsque les fruits sont un à côté de l'autre, En face de lui eux, il est en là face et d'eux. l'autre, le figuier, il est tout là-bas. Ouais, eh bien, il prélève pas. Ouais, hazaka, halo haver, l'onershad havarim, l'itrob, shelom, inam mokaf. Oh, qu'est-ce qu'il dit Waouh! l'autre hakam alors par rapport à ça? Eh bien, il va le faire. Toute la Gemara, justement, la Gemara, elle va discuter de tout ça par la suite. Elle va expliquer c'est quoi la marloquette qu'il y a entre Rabbi et Rashbak. Amar Rabbi, continue encore là, on n'a pas fini la braïta. Amar Rabbi, Nir'in Devaray, Midjivre Abba. Mes paroles semblent plus vraies que ceux de mon père. Ouais, que celles de mon père. Pourquoi? Parce que Moutav Shiyachedu Havorim Litrom Shalom Inamukav. Il est préférable, Moutav, que les Havarim prélèvent chez l'homme Inamoukaf, qu'il en vienne à le faire, qu'il soit soupçonné de cela, pourvu qu'il ne fasse pas manger au Hamares, d'accord, de quelque chose qui est Tev. Point. On va revenir sur cette phrase-là de Rabbi par la suite. Là, la Gemara, elle reprend. Rav Sheshet. Atkan. Rappelons que Rav Sheshet veut amener une preuve pour lui, comme quoi même Comme craint à Minatora, l'Asalia. Azaka, Shalia Hosei Shlihoto. Alors on y va. Atkan lo paligi et la demor sava nershad ou mor sava lo nershad. La mahloket qui est entre Rabbi et Rashbag, c'est quoi? C'est nershad ou lo nershad ou haverim? Hein? Rajbag, il dit l'onershadu, et Rabbi dit l'onershadu, pourvu qu'il ne mange pas l'eau des dvalim. Aval kule alma, hazaka shalia chosei shlichuto. Mais Ah, sinon sinon, cela, admettons qu'il n'y a pas le problème de l'onershad. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, hazaka shalia chosei shlichuto. Et la question que nous on se pose, et il est où ton shalia chosei shlichuto ici? Oui? Où le shalia? Il est où le shalia? Regardez la chine. Rachid on Ershad, Litrom, Shilomina Mokaf, Alawahi, s'il n'y avait pas ce problème de Ershad, il n'y avait pas de problème de prélever Shilomina Mokaf, qu'est-ce que j'aurais dit? Alawahi, Wadaya Wasamkhin Balabai. Oui, bien sûr que je me suis appuyé sur le Balabai. Admettons qu'il n'y a pas de problème de prélever Shilomina Mokaf. Alors bien sûr que j'aurais dit qu'il aurait fait le Balabai. Et le Donc le Balabai Baal-Bet, il est s'appelle mon Shalia. chaliah maintenant. Le Exactement. Pourquoi? Baal-Bet. C'est ce qu'il va dire Rashi. Une seconde. Alba Rabbaïze. Chehu Shaliach al-Kar, Chemutal Allah ou l'Aser, ma Chehu Noten, ou al-Yachil Issou l'Amaris. D'accord? Donc, quand le Amaris, il va, quelque part, comme si le Amaris, il va les manger, ouais. Comme si il a nommé le Baalabaï Shaliach pour faire le prélèvement. Voilà en quoi les Béalim s'appellent ici. Les Shlichim. Et donc, dit Rav Sheshet, tu vois donc bien qu'on est sommaire. Ok, ici, un problème technique de Hachad, chez l'homme Inamokaf ou pas. Ouais, isole. Ouais, gèle-le ce problème-là. Eh bien, tu diras, Hazaka Shaliach, on sait Shlichuto. Alors, bien sûr, tous autres posent la question et disent, mais je ne comprends pas. Mais tu as amené une preuve de là que Hazaka Shaliach, on sait Shlichuto, Bédéoraïta, mais on parle de TNA. Au niveau de la Trouma, Trouma, Touma, Asrot, le Chiyuv de Raita, c'est sur Dagan, Tirosh, le Issahar, pas sur les figues. Donc, c'est un hymne de la banane de prélever le figue. Voilà la Kushia de Tosfot, dernier Tosfot du Hamout. Oui. Alors, Tosfot, regardez dans les mots, Afagav, des Maaser, Perot, mis de la banane, Verav Nahman, Modé, des Béchel, Sofrim, Hazaka, Shéach, des Shéchoto, Kushia. Réponse. Incroyable. Incroyable. Oui, puisque le din de Maaser, c'est le bassiste, le support, c'est un din de Oraita. Oui, seulement Hakamim, ils l'ont étendu. Alors, ça s'appelle Keshel Torah. Ça s'appelle Keshel Torah. Quoi? Alors, bien sûr, si on dit ça, on a un problème sur le Rambam, parce que vous savez que le Rambam, il est possède dans Pirat Kavzaïn, il y a des Hazaka,
Et dans le Rosh Shabbat, il est pour ça que 12 000 c'est Minatora. Oui. Sortir du Troum, 12 000 c'est Minatora. Non, tiens pas comme ça, l'Alaha. Rien grand, il donne à la fin du Perek Lishon dans Maseret Eruvin, dans le Rif, Balamaor, Milhamot là-bas. Il développe beaucoup ce sujet-là. Le Rambam, lui, il pense que 12 000 jusqu'à 12 km, ce n'est pas Minatora, ce n'est pas un problème. Dépasser ça, c'est Minatora. Alors, leur Mahlok est entre Rav Sheshet et Rav Nachman, elle est sur Tromine dans l'occurrence. Et comment la Gemara appelle ça? Elle appelle ça des Rabbanan, mais selon le Rambam, il y a Ikaro de Oraita, donc ça doit s'appeler un din de Oraita. D'accord? Donc, ça veut dire que le Rambam n'est pas d'accord avec la réponse de Tosfot. Et bien, il n'y a rien d'étonnant, puisque le Rambam, lui, il pense que les Shiv'at Aminim, c'est un Hiyou de Oraita, du Maaser. Donc, la question de Tosfot, elle ne commence même pas, en fait, selon lui. D'accord? Comme ça, Rambam, il est posé dans Troumot. D'accord? Il chote Troumot, dans Perek Bet, à la Khalef, il tranche que même les figues, c'est Minatora leur prélèvement. Bon. On a fini ou pas? On n'a pas fini. Madame Lahman, oui. C'est-à-dire que maintenant le Baal HaBet, il est Naasa, le chaliah de celui qui l'a dit va te l'aquette, ben quelqu'un-là. Non, c'est le Balabait qui dit il va être Melaket. Oui, alors c'est qui le chaliah maintenant, C'est lui selon le tout ce. chaliar. C'est lui va manger et l'autre, le Balabait, ça va être le chaliar de celui qui va aller manger. Voilà, c'est ça, oui, bon. C'est complètement à l'envers, là. D'accord, si, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai lu Rashi. Mais ok. Alors, comment Rav Nachman il fait de cette preuve-là? Rav Nachman attend que de Rav Hanina. Mais mettre là-bas, pourquoi on s'appuie sur. S'il n'y avait pas le problème de Nershad ou l'on-Nershad, on s'appuierait bien sûr sur le Haver. Pourquoi? D'Amar Rav Hanina, Chosa'a, Chazaka ou Al-Haver, Shinom aussi, Davar, Shinom et Tokal, Mita Hajiado. C'est un djinn de Haver, ça. Léolam, un homme normal, j'ai un homme de Béalma. Qu'est-ce qu'on dit? Peut-être qu'il ne va pas faire ça, Shlihu. Mais au niveau du Haver, il y a un principe. Hazaka, il y a une Hazaka qui est la suivante, et c'est là où on la tient. Hazaka al-Haver, aussi, d'avoir chez nous Metukan, Mita. Il ne fait pas sortir quelque chose qui n'est pas Metukan. D'accord? Tout ce qui sort de sa main, c'est Metukan comme il se doit. D'accord? Donc, c'est pourquoi on peut être sommaire sur lui. Quoi? On a fini l'épreuve de la fléchette. Elle est triote de Rav Nachman. Donc, avant de continuer maintenant à la suite de la Gemara qui va donc analyser la Braïta que Rav Sheshet vient de rapporter, Tosfot, Aomel Havero, c'est Velkot Lecha. Regardez Tosfot. Beperek Lulav, Gabé Alokar Lulav, Me Havero, Bejvéit, Magi Hacham Rashi, Me Amaharis, Yishum Delo Avok Kalele Havero. Il y a un Rashi dans Masechet Souka, c'est d'ailleurs un peu étonnant, qui dit comme ça. Il dit dans la Mishnah, là-bas, elle dit comme ça. Dans Daf Lamed Tet Amud Rishon. Alokeach lulav me havero bashvirit. Celui qui achète un lulav, donc on parle d'un haver qui achète le lulav de son ami, la 7e année. Là-bas, on parle de l'étrog, comment on fait, parce qu'on n'a pas le droit de vendre les fruits de la Shemitah. Oui? C'est qui le vendeur? C'est un Amares. Alors, Rachid, il y a un problème ici. Si c'est un Amares, on ne doit pas l'appeler par rapport au Haver, Havero. On n'appelle pas le Tana ne peut pas appeler Havero le Haver d'un Haver, qui est Amares. D'accord? Donc, ça, c'est Amares. Ça, c'est Haver. On ne va pas le dire, lui, c'est ton Haver. Alors, Rachid, il corrige. Voilà ce que fait Rashi. Tosfot va amener deux preuves. D'accord? Il y a aussi un Rabbi Akiva Eiger qui rajoute sur ce Tosfot-là. Ici, il n'a pas été mentionné, mais ailleurs, oui. Tosfot, il amène la Gemara de chez nous. Ouais. Et une autre Gemara. Il n'y a pas besoin de corriger Tosfot. Pourquoi? Enfin,
C'est bien marqué ici, Aoma la Havero, c'est la Kotli, n'est-ce pas? Ou la Kotli Kha, c'est marqué. Et pourtant, plus tard, on va voir le passage de Gemara qui va suivre. On parle d'un Hamaal, ce qui dit au Haver. Donc, tu vois bien qu'on appelle ça Havero. OK? Bon, peut-être après, tu vas peut-être corriger en disant le Hamaal, il peut appeler le Haver Havero. Mais le Haver n'appellera pas le Hamaal Havero. Ouais. Bon, ça, en tout cas, c'est une première preuve de toute sorte. Je dis ça pour défendre Rashi. Au Béchabat, deuxième preuve, dans Perek HaShoel, c'est là-bas que Ophir Abia Kivagia parle. Au Béchabat, Perek HaShoel, Amar, je crois, hein, Amar, Lo Yomar Adam Nahavero, Seus Choli pour Alim. D'accord? Un homme ne doit pas dire à son ami, Seus Choli pour Alim. Au mot qu'il a, ouais. Et là-bas, on parle de son haver qui est nochri. Alors, c'est pas mal, c'est pire. D'accord? Ça, c'est un nochri. Bon, après, peut-être ça, on peut le repousser, je ne sais pas. Le fomriata, j'aurais dit, le hamal, si on ne l'appelle pas havero, parce qu'il doit faire bien les choses et il ne fait pas bien. Et le nochri, qui ne fasse pas bien, c'est normal, quoi. Il n'a pas les mitzvot, etc. Donc, peut-être que ce n'est pas grave de l'appeler havero. Ah je bon? Dis ça pour défendre Rashi, mais après, il faut prendre ce que j'ai avec des pincettes, il faut vérifier. Fin de Tosot. Qu'est-ce qui t'étonne dans ce que j'ai répondu à Amos? Oui, c'est-à-dire que le Nochré, si le Hamas ne l'appelle pas Haver, le Nochré, bon, toi, tu as essayé de. Moi, j'ai essayé. D'essayer. J'ai le droit quand même, non, d'essayer. Bien sûr, bien sûr. Allez. Amar mor, Bamed varim amorim, Be'am al. Donc, avant de continuer la Gemara, on fait un petit résumé. Qu'est-ce qu'on a dit? Sans rentrer dans la preuve de Rav Sheshet. Dans la Braïta, on a vu un premier cas, il ne lui a pas donné de panier, il dit va faire ce que tu veux, prends des figues que tu veux. Et le deuxième cas, il lui a dit tiens un panier, remplis le panier de figues. D'accord? Donc, on va s'intéresser sur ce cas-là. Ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Bamed Varim Amorim, si c'est un Amaharis qui dit, alors on ne sait pas c'est qui le Mekabel, Matana. C'est ça ce qu'on va essayer de dévoiler dans notre Mara maintenant. Si c'est un Amaharis, d'accord? Alors, toi, le Mekabel Matana, celui qui reçoit les figues, tu dois prélever de maille. T'as un de maille. Mais si c'est le noten, d'accord, il y a le noten, il y a le mekabel, d'accord. Le noten, celui qui donne les figues, le mekabel, celui le qui donne haver. Si maintenant le noten, c'est un haver, alors sur ça… C'est sûr qu'il est asher. Hein? Tout à fait au départ. Donc, c'est sûr qu'il est asher et tu n'as même pas, tu n'as même pas besoin de l'asher, même à demain. Oui. C'est ça, non? Au départ. Ce ouais, qu'on a dit ça, tout à l'heure au départ. Mahlok. Sur ça, il y a une mahlok. Voilà. C'était un voilà. Haver qui a donné. Oui. Sur ça, Rabbi pense que tu n'as rien besoin. Et, voilà. Et l'autre, il dit le contraire. Au contraire, c'est du Waddai. D'accord? Parce que Enam Mahzakin Silo, Mahzakin Silo, Menam Menam. Voilà. Eh bien, voilà ce que la Gemara a dit. Et sur ça, Rabbi, il a dit, ouais, il est préférable qu'il ment, qu'il transgresse chez l'homme inamokaf et qu'il ne donne pas à manger au Rama Arest Valim. Dans cette phrase-là, oui. On voit que quand le noten, c'est un haver, le metabel, c'est un Rama Arest, n'est-ce pas? Juste. Bon, ok, maintenant j'ai fait cette remarque-là. Maintenant, j'enlève ma remarque et je reprends la Gemara. Amarmo. Bamed varim amorim be'am ha'aretz aval be'haver ochel ve'eno tzarich le'aser divrei rabbi. Dit la Gemara, hay am ha'aretz dika amar le leman. Le am ha'aretz, parce qu'on dit on parle d'am ha'aretz, à qui il parle? À qui il donne? Dika amar le leman, à qui il parle? Oui, on y va. C'est qui le metabel en fait? Alors dit la Gemara, il m'a dit qu'Amal est Amal, c'est vrai. S'il parle à notre copain Amal,
Alors, comment ça se fait Il qu'on a l'appelle dit dans ce cas-là, Habresh. Me'asran de maï. Le métabel Amal, il va prélever de maï. Misayit, Misayit, est-ce qu'il va t'écouter? Il va te dire, mais il est Néman, mon ami. Mon ami, le notaire, tu as vu comment il est généreux? Il me donne. Il est Néman, mieux que toi encore. Oui, donc il ne va pas t'écouter. Et là, Amal, c'est Amal, il est Haver. Donc on est obligé de dire. Leur Amal, s'ils donnent le Haver, ils vont dire au Haver, comme le Amal, c'est lui qui a fait, peut-être il a prélevé, peut-être non, alors, de maille, un djinn de maille. Ouais, très bien. Viens, on lit la Sefa maintenant. Emma Sefa. Nir'in devaray mi jivrei Abba. Donc, c'est quoi la Sefa? Donc, le premier cas, c'est quoi? C'est le Amal qui donne au Haver. On a dit le Haver, il prélèvera en tant que de maille. Maintenant, la fin de la Braïta, Rabbi a dit Nirin devaray midivre abba, mutav jirchedu haverim, litrom shilomina muka veloya achilu la mehar svarim. Donc, notez le haver. Ça veut dire que le mekabel, c'est qui? C'est pas un haver, c'est un amal. Mais le noter, c'est haver. Le noten, c'est un haver. Dans le cas voilà, où le c'est noter, contraire. C'est un haver. D'accord? Donc, normalement, c'est quoi? C'est quoi la Braïta? Elle a dit quoi? Braïta, elle a dit Bamed Varim Amorim, que c'est de Maï. Quand le noten, c'est un Amaris, et selon notre conclusion maintenant, le Mekabel, c'est un Haver. Par contre, dans le cas où le noten, c'est un Haver, donc a priori, le Mekabel aussi, c'est un Haver. Mais si le Mekabel, c'est un Haver, on ne comprend pas la parole de Rabbi. Vaut mieux que tu prélèves parce que tu vas donner à manger au Amaris Tvalim. Il n'y a pas d'Amaris ici. Le noten, c'est le Kabel, il n'est pas Amaris, le Mekabel, il est Haver. Oui, c'est ça la question de la Gemara. Amaris, Maïbayatam, qu'est-ce qu'ils font là-bas, le Amaris? Alors, comment on explique? Amaravina, tu sais quoi? Tu es obligé de dire que c'est deux cas différents. Amar avin aresha be amares shama le haver. Là, l'aresha, on parle d'amares qui dit au haver. Comme on a dit. Et Et qu'est-ce que dit Rabbi? La sefa be haver shama le amares. D'accord? Be haver acher shomro. Comment on peut avoir l'aresha dans une situation et la sefa dans une autre? Bah, c'est ça la couché à la Gemara, et c'est pourquoi Ravina il te dit j'ai pas le choix que d'expliquer de cette manière-là. Donc on essaie de reprendre une seconde. Donc là, Recha, le Amares, il donne au Haver. On dit au Haver, écoute mon ami, tu prélèves. D'accord. Tu prélèves en tant que de maille. Maintenant, là, c'est Fa, c'est quoi? C'est un Haver qui donne. C'est Fa, Haver qui donne. Oui, je sais qu'il donne. Maintenant, à qui il donne? Il donne à Amares. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit sur ça? Sur ça, Rabbi dit, si on s'arrête que là, il donne à Amaris. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On dit, dans ce cas-là, on parle à qui? On parle à Amaris, prélève ou ne prélève pas. Mais lui, il ne va jamais t'écouter de toutes les manières. Non, il y a un autre. Il y a un autre, Havel, qui a écouté. Ça veut dire, Reuven, il dit à Shimon, le Amaris, Reuven, le Havel. Il dit à Shimon le Amares, et il y avait à côté de Shimon, Lévi, qui était un Haver aussi. Quand Shimon, il a pris les Théénim, Lévi va manger avec lui. Ouais, Shimon, il dit, Lévi, on mange ensemble un peu les figues, là, il m'a donné. Shimon, il m'a donné. Maintenant, Lévi, c'est un Haver. Qu'est-ce qu'il fait? Il prélève ou il ne prélève pas? Voilà le sujet. Sur ça, Rabbi, il dit, tu n'as pas besoin de prélever, mon ami. Parce que c'est sûr que il a transgressé l'itrom chez l'homme inamukaf pour ne pas que l'amal se mange des tvalim. D'accord? Et Rashbag, il dit non. Rashbag, il dit le haver, il doit prélever. Lévi, il doit prélever. D'accord? Parce que l'on est chado. Ouais, haverim, l'itrom chez l'homme inamukaf. Alors, on y va. Le haver, achel chomo. Rabbi, ça va. Rabbi lui pense, Oto Haver Ochel, Weno Sarich Le Aser. Oto Haver,
Ce chaver-là, Lévi, il peut manger, il n'a pas besoin de prélever. C'est sûr que Réhouven, le premier chaver, il a prélevé. Rabban Shimon ben Gamliel omer lo yochal ad she'aser. Lévi, il ne peut pas manger sans prélever. De manière vadaï, les filles chez l'homme, les trompes chez l'homme, il n'a pas. Et sur ça, Rabbi lui a dit, Vamale Rabbi Moutav, chez Hachad ou Haverim, les trompes chez l'homme, il n'a pas. C'est mieux qu'il transgresse chez l'homme, il n'a plutôt qu'il fasse manger à Amar Astuali. Bemaï Pligi. La Gemara demande Bemaï Kami Pligi. C'est quoi leur mahloket finalement? C'est quoi le Yesod mahloket entre Rabbi et Rashbag, son père? Rabbi Savar ni Halel et Haver de l'Aved ou Isura Kalila. Velo l'Aved Amar Isura Rabba. Rabbi pense, ouais, il est préférable au Haver de faire lui un petit issour de chez l'homme inamukav, et a priori son issour il est des rabanan. Ouais. Il y a un qui dit de l'Aïta, déjà que c'est des rabanan. Plutôt que le Hamaharis, il mange quelque chose qui est Tevel. Et ça, c'est grave. D'accord? Il y a Mita. Mais là, il y a un vide Hamaharis issour là-bas. Par contre, la Ban Shimon ben Gamliel Savar, ni halel haver de l'yaved amar isura rabba ve'i wa filo isura klila lo l'yaved. Tu vois, il dit non. Qu'il fasse lui, il a qu'à faire une grande avera, lui, il ne fera pas même pas une petite avera pour l'en sauver. Wow. C'est le tout est le morceau là, c'est incroyable quand même. Ouais, quand même, cela, la il est un peu étonnant parce que c'est lui-même qui lui a dit va manger. Part, il est responsable, il est coupable. Yes. Très bien. Sur ça, il y a un Tosfot. On y va. Rabbi nous a dit, vaut mieux qu'il fasse lui un petit issour que le Hamares fasse lui un grand issour. Hein? En Tosfot, le but de ce Tosfot-là, on a déjà vu un Tosfot comme celui-là dans ma Maseret Shabbat aussi. D'accord? On y va. Vea de Masir Perkama de Shabbat, Gabé Matbik, Gabé Hidbik, Pat Betanour, Den Omrim Ladam, Het Bijvil, Chizke Havercha. Il y a un cas là-bas, quelqu'un, sans faire exprès, il a mis du pain Shabbat dans le four. Il a collé comme ça, sur la paroi du four. Oh là là, Shabbat rentre. S'il le laisse, le pain va cuire. Et si le pain cuit, il est cuit. Il a transgressé Shabbat. C'est vraiment l'écrit. Voilà. Alors, est-ce que moi, je peux enlever le pain? Je fais une ce qu'on appelle diatapat. Le diatapat, c'est une soule de la banane. Et j'enlève. J'enlève. Comme ça, l'autre, je le sors de la havera. Alors, la C'est Gemara comme. là-bas dit, Gabé idbir pat betamour, de en omrim la dame chet bishvil sheizker havercha. Voilà, on ne dit pas. Comment on s'arrange avec la Gemara d'ici? Ici, dit la Bibi, on dit. Réponse à Khashani. Ici, c'est différent. Pourquoi? C'est toi qui l'as fait fauter quelque part, qui le met vers la faute. C'est toi qui lui dis, va prendre des fruits et va manger. Alors, tu supportes ta petite faute, mon ami. On soit dit, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Au mieux caché. Beper Ertamin Nishhat. Amar, en lecha davar shimitakev, achar tamid shel ben arba'im el aktoret venerot bechol ha'shana, ufesach umchusar kippurim be'er ve'psachim bilvad, shetovel ve'ochel pischol ha'erev, ve'kavre kahane a'aseh de'ashlama, she'en bo karet, kedei she'yekayem zeh mitzvat aseh she'yesh bo karet. Je m'arrête là une seconde. Ce soir, tu avais une Gemara. Dans la Gemara, on dit, dans Psahim, après le Korban Tamid chez le Ben Arbaim, il n'y a rien. On ne fait pas de Korbanot. Seulement, on fait les Ktoret et les Nerot toute l'année. Et
À Pessah, Erev Pessah, pardon, on fait le Korban Pessah après le Korban Tamid chez Ben Albaï, ainsi que celui qui est Mechoussal Kippourim, on lui approche son Korban pour qu'il puisse manger le soir Korban Pessah. Bien que. Allez, Hachlem, Kola Korbanot Kulam. Sur le Korban Ben Albaïm, qu'est-ce qu'on dit? C'est lui le dernier Korban. Mechoussal Kippourim, on ne doit pas l'approcher. Allez, Hachlem, Kola Korbanot Kulam. Ouais. Sur le Korban Tamid chez Ben Albaïm, on doit faire avant de l'approcher tous les Korbanot. Si tu fais un Korban après, tu as transgressé ce racé-là. Eh bien, ce n'est pas grave. Pour le Korban Pessah, s'il ne le fait pas, il est Hayav Karet. Alors, toi, le Kohen, tu transgresses le Asé des Hashlama, Hashlem Kola Korban Kulam, tu transgresses, pourvu, comme ça, l'autre, il ne fait pas la grande Avera de Karet de ne pas avoir consommé le Korban Pessah. Donc, on voit ici, de nouveau, ouais, que on demande au Kohen de faire une petite Avera pour que l'autre ne fasse pas une grande Avera. Ouais. Pas comme dans Shabbat. Pourquoi dans Shabbat on ne dirait pas la même chose? Voilà la couche de deux sortes. Vechen Batra. Même ici, dans Daf Kouf Gimel, on dira la même chose. Des Kohen, des Altalo Yabelet. Un Kohen qui a eu un bouton, une Yabelet qui a poussé dans son corps, qui le rend donc pas sous la avoda. Eh bien, Chotrolo Beshinao, son ami, il vient, il lui arrache avec ses dents la Yabelet, Kedesh afin que le Kohen puisse faire sa avoda. Avodato, Ayasu. Mais s'il n'y avait pas la avoda, qu'est-ce que j'aurais dit? Tu n'as pas le droit d'enlever la Yabelet. Ouais. Eh bien, ce n'est pas grave, tu peux le faire quand même. Et par contre, dans Shabbat, on n'a pas autorisé le diatapat qui est le dirabanan pour sauver l'autre d'une avera de shogeg bemlechet Shabbat. Oui? On ne comprend pas. Voilà, couchette de soi. De soi de répondre. Il y a une grande différence. Omer ish yesh le haler ve'id edbir le fish et pacha chez edbir samouk le hashecha. Là-bas, dans Shabbat, quelque part, il est poché. Qu'est-ce que tu fais du pain maintenant, un peu avant l'entrée de Shabbat? C'est fou. Alors, quelque part, c'est toi qui t'es mis dans l'erreur. Je ne veux pas te sauver dans ce cas-là. Mais les cas qu'on a cités, que ce soit rapporté, que ce soit de Psachim ou de plus tard, c'est contre le gré de l'autre. D'accord? Et l'autre, il est Mechoussal Kippourim, mais Mechoussal Kippourim, Malah Asot Lo. En ce cas-là, on dit transgresse pour le sauver. Veomeri, dans les mots, Veomeri, Sheesh le Haler Baïd et Edbir le Fish, Sheesh Pacha, Sheesh Edbir Samouk la Hashecha. Ah, tu vas me dire, mais là-bas, on parle d'un cas de Shogeg. C'est pas grave. Afagab, d'un Shogeg qui va aller là sur Kadate. Le gars qui est Shogeg, quelque part, il est un peu responsable. Il aurait dû faire plus attention. Oui. Il devait faire monter dans son esprit que c'était Shabbat ce soir. Alval Bernardelopacha midi, chari. Mais dans les autres cas où il n'est pas poché, hein, c'est autorisé de fauter pour l'autre. Soit ils disent, on a encore un problème avec la Gemara de Guitine. Afagav, si on veut le baisser, l'eau d'ami prisoudi d'eau, le madbir pas de bétano. Il y a une chifra qui est à moitié libérée, moitié chifra. Celle-là, elle peut ne se marier avec personne, ni avec un rabbin, ni avec un juif. Ouais. Et les gens fautaient avec elle. Ouais, les hommes fautaient avec elle. En quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on doit la libérer. Mais si tu la libères, tu es en train de. Ouais, les autres, ils fautent. On a dit quand ils fautent, tu t'en fiches qu'ils continuent leur faute, c'est pas moi le responsable. C'est ce qu'on a dit juste avant. Et sinon, on est en libère, libère. Mais si tu libères, tu fais quelque chose de pas bien. Oui. Alors, on ne doit pas libérer. Oui. Alors, ce soir, tu dis,
Ça, c'est le Asé, le Alam Baim Ta'avod. Alors, l'Odami Prisoudi, d'où les Madbir Patpatano, ce n'est pas la même chose. La Prisout, là-bas, et Madbir Patpatano, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Chez Oto, l'Oya Anous Klal. Non, il ne dit pas de Patpatano, il ne dit pas du tout Anous, il n'est pas obligé de faire le pas maintenant. Aval Shifra, Asura, la Avadim, le Bne Chorin, Vei, le Houta, Harznout. Mais une Shifra qui interdit à Aïe, Avadim, et au Bne Chorin, et elle a en général la tendance à être portée vers le Znout. Et Evchal, chez l'Otar, chez le Bne Adam. C'est sûr qu'elle va faire tribut chez les gens. Et donc, c'est pourquoi ça ressemble à Onsin, Ones. Deuxième réponse, comme elle fait tribut chez le rabbin, pas un seul, le rabbin, alors c'est comme l'histoire de rabbin, comme on l'a vu avec Rabbi Ishmael. Il a libéré Rabbi Eliezer, je ne me rappelle plus Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, pardon, qu'il a sauvé, il a libéré son Eved pour qu'il soit. Pour compléter le minyan, comme on l'a vu dans ma série de Brachot, Veod Yavele Kemiswa de Rabim, Kedemchene Gabriel Ezer, Shishare Abdul Yashlimol Asra, Miswa de Rabim, Shani Lagmara la Baladji. Fin de Tosfot. Fin de la Souya. Comment commence une nouvelle Mishnah? Ahmad Nitin, Jonathan, t'es mieux aujourd'hui, hein? Pas du tout. Hein. Moi, j'ai raté le début. J'ai fait un peu hier soir, mais j'ai raté le début, donc j'ai pas trop suivi. Ok. Donc, c'était dans un mariage. Non, on n'a pas le droit de sortir avant 8 heures. Ah, on a un confinement, là, un couvre-feu 8 heures. Waouh. Ça commence. Ah, il y avait la fille de Yisrik Bital qui s'est mariée. Ouais, mais ça, ils l'ont fait. J'étais à la roupa quelques minutes. Ah. C'est aujourd'hui. Ils l'ont fait aujourd'hui, de 4 heures, je ne sais pas, 4 heures sûrement, jusqu'à 7 heures. Je crois que demain, il y a un autre mariage, non? Je ne sais pas. Anyway, c'est compliqué. Vous avez un couvre-feu en Israël, là-bas? De quoi? Vous avez un couvre-feu? Je crois que, sincèrement, je crois qu'il va y avoir un seger shlishi, mamash. Parce qu'ils ont monté les. Avant, ça diminuait. Là, on est arrivé à 200, 300. Après, ça a augmenté un peu, 700. Après cela, maintenant, aujourd'hui, il y avait 2800 et quelques. Et. Oui, on dirait qu'il n'y a rien, on dirait qu'il n'y a rien. Mais vraiment, je crois que c'est irresponsable. Ils ne savent pas que le corona tue. Justement, moi, tout à l'heure, avant que je viens dans ce cours-là, j'étais par Zoom sur le Shiva d'un rabbin en Angleterre que j'aimais beaucoup, s'appelait Rabbi Jacobs. Il avait le dialyse, etc. Kouvre Bahayim, Mizakhel et Tov, le Badil Haïm Tovim. Il avait aussi trois fois dialyse, etc. Mais il était content, il avait toute sa tête, etc. Et parce que Corona, c'est incroyable. Mahalata Corona, il pense que. Mais il est dangereux. C'est dangereux. Je ne sais pas comment ces gens-là, ils dansent, ils font, ils parce qu'ils n'ont pas pu aller pour le Shoshana, ils ne sont pas portés par Anoka. Bon, allez, c'est bon, pas grave. Madnedjin. Attends, Manu, juste, je t'en mets 30 secondes parce que je t'ai embêté beaucoup de fois avec cette Hanoukia. Regarde, juste montre la Hanoukia de toutes les couleurs. Je ne sais pas si tu vois là, tu vois, plein milieu. Je vois à droite rouge et après, je ne vois pas trop les différentes couleurs. Ah, voilà, ouais. Ouais. Quel est ton problème? Non, il voulait savoir s'il y a un Hissaron dans le Ihidour, s'ils ont des couleurs différentes. Oh. Ou bien on doit faire comme dans le Betamirdash. Techatila, il vous dira. Ok, Madnijin. Alors, Netano Beilan le Mala Meazarat Vahid. En Iruvo Iru. S'il a mis le Iru au-dessus de, dans sur un arbre, en haut de dit Vahim, le Iru n'est pas un Iru. Le Mata Meazarat Vahim. Aïrou, bon aïrou. Par contre, en deçà de Jitfahim, c'est un bon aïrou.
Netano Babor, un filo à mort, mais à ma, s'il a mis dans un puits, même si le puits il est profond de mais à ma, de son à mort, son Eruv est un bon Eruv. Rachid dit Netano Babor, mais Faresh Begmara. C'est bon, allez, on va expliquer, de toute façon, la Mishnah, on va l'expliquer dans la Gemara. Qu'est-ce que là, les Faris Bagmara, Nitano Babour, Nitano Babour, c'est un mes Faris. Ah, mais pas tout, parce que lui, il est. Problème. Le bord, il est à Réchout à Yahid. Comment il va le prendre? Ah. Ouais. Ah. Ah. Ça s'appelle Obem Komehad, mais le Obem Komaher. Même ici, quand on dit Nitano Beila, les Malama Asarat Fahim. On dirait qu'on est dans un réchaud Tayahid. On va voir, on va parler dans la Gemara. Et donc, lui, c'est Ben Makom Echad, et le Ben Makom Echad. On va discuter de ça maintenant. Gemara. Yachiv Rabbi Yahya Baraba. Ve Rabbi Asi. Ve Rabba Barnatan. Les trois Hachamim étaient assis. Ve Yachiv Rav Nachman Gabayu. Était assis à côté de Rav Nachman. Ve Yad Ve Veka Amre. Ces trois hachamim étaient assis et disaient Aïe, il en décaï, echa. Où était cet arbre-là? Il est ma décaï, bilchotayahid. S'il se trouve dans un richotayahid, malil et malama, malil et mata. Quelle différence? En haut de Jitfahim, en bas de Jitfahim. Comme ça ou comme ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de différence. Donc, je ne comprends pas pourquoi le Tana fait un hilo. Oui? Malile mala, malile mata, rechute yahid, ola de la raqiya. Rechute yahid, il monte jusqu'au ciel. De zéro jusqu'au ciel. Tout s'appelle rechute yahid. Alors je change. L'arbre, il n'est pas dans le rechute yahid. Après, je ferai les tosodim qui sont sur la souya. Là, juste, j'ai envie de faire la charla vetalia, comme ça, je n'embrouille pas. Mais là, dekaï, bien chute arabim. Sûrement, l'arbre, donc, se trouve dans le rechute arabim. Alors demande la Gemara, demande les Hachamim, Denit Kawen Lishbot Echa. Où est-ce qu'il a pensé, lui, ouais, faire sa Shvita? Il m'a dit, Denit Kawen Lishbot Lemala, ou Eruvo, Bemakom Echad. Si sa Shvita, c'était là où se trouve le Eruv en haut, dit Fahim, alors pourquoi ce n'est pas un Eruv? Lui et son Eruv, il se trouve Bemakom Echad. Pourquoi le Tanaï ne veut pas? Et là, on parle de quoi? Et là, Denit Kawen, Lishvot, les Mata. Il avait la kavana de faire Tashvita, les Mata. Mais il a mis son Eruv sur l'arbre, dit Fahim. Ve'aka mishtamesh be'ilan. Mais je ne comprends pas. Mais il va utiliser l'arbre. Oui, quand il va prendre le Eruv, il faut qu'il soit apte à être pris, le Eruv. Oui. Alors, quand il va le prendre, il va utiliser l'arbre. Mais tu lisais là pendant Shabbat. On n'a pas le droit. Oui. Donc la question, elle est, même en deçà, même en dessous de Jit Fahim, c'est interdit. Mishlama, les mâles, mais à Salat Fahim, c'est un problème. Les mâles, ça, je comprends que ce soit un problème. C'est un Jit Fahim, lui, il en chute à la bim. Mais même si c'est les maths, il y a un souci. Alors, il utilise l'arbre. On n'a pas le droit d'utiliser l'arbre pendant Shabbat, comme on l'a vu dans ma sœur Edbe Salam Edouard. D'accord? Dans la Mishnah là-bas. Ve'ach, ve'mishtamesh, be'ilan. Réponse. Le'olam, de'kaye, be'chot arabim. L'arbre, il se trouve dans le chot arabim. Venit ka, ve'nishvot, le mata, comme on a dit. Lui, pensait faire sa shvita en bas de l'arbre. Oui, c'est pourquoi, en haut de l'arbre, au-dessus de Ditfahim, c'est un chot arabim. Il y a quatre. Fahim de large, il faudra dire dans la branche, c'est un réchaud de Yahid, donc je ne peux pas le prendre. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi, quand c'est en deçà de dit Fahim, c'est bon? Parce que je peux le prendre. Quand on a Benach Pachot, je peux le prendre. Pourquoi? Verabihi. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi. Diamal Kodavar Shom Shom Shifut, Lo Gazro Allah, Benach Pachot. Plus tard, on verra où est-ce que la Marlok est Rabbi Rabbanan. En tout cas, là, la Gemara affirme, Rabbi pense, tout ce qui est interdit, midera banane, en l'occurrence utiliser un arbre, eh bien, lo gazro alav ben hashmashot, hachamim n'ont pas décrété, n'ont pas interdit ben hashmashot.
Voilà leur conclusion aux trois haramis. Rav Nachman, qui était présent, qui a entendu donc leur conclusion, Amar le Rav Nachman Yisha, Vechen Amar Shmuel. D'accord? Shmuel aussi a dit cette chose-là. D'accord? Il a dit Yisha Kohachem, quoi. Hazak Obaruch. Amrole Patrit Ubakule Hay. Alors, les trois haramis ont dit à Rav Nachman, quoi, vous avez déduit autant? Alors, Gmara dit, c'est quoi leur chidouche? C'est quoi leur chidouche? Et nos amis, Achicha Patreba. Mais eux aussi, ils ont déduit comme ça. Et là, Achi Amroule. Kavaitoule Bigmara. En fait, leur kavana, c'est la suivante. Est-ce que vous avez fixé dans la Gmara, ça veut dire en tant que conclusion, que c'est ça la kavana de la Mishnah? Amal et Rav Nachman a répondu oui. C'est comme ça qu'on a conclu que c'est bien mettre ça à la kavana de la Mishnah. Itmar Nami, en effet, il a été aussi dit Amar Rav Nachman Amar Shmuel Acha Beilan Armet Beshut Arabim Askinan. Dans notre Mishnah, on parle d'un arbre qui se tient dans Shut Arabim. Gavoa Asara Verachav Arba'a. Il est haut de 10, large de 4. D'accord, c'est, on dirait, comme une sorte de tronc d'arbre. D'accord, coupé, quoi. Il y a des photos dans Pirush Hay pour celui qui veut voir. Et lui, il a eu la kavana de faire sa shvita en bas, pas sur l'arbre. Et l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi, qui a dit tout ce qu'il a dit, mais de la banane, Mishum chez vous, donc, eh bien, Hakamim n'ont pas décrété. Ben Hashmashot. Point. Tosfot. Mali le mala, mali le mata. La Gemara a dit si l'arbre était dans le Shoté Yahid, quelle différence entre en haut ou en bas? Ashta de Akachil ou Asikhadate de Ajik Rabi. Ave Masilak Shouye de Ben le mala, Ben le mata, lo yaru, Mishum de Mishtamesh Beilan. La Gemara, elle ne sait pas encore pour le moment que la Mishnah c'est Rabi. Donc, la Gemara aurait pu objecter en disant que en haut ou en bas, c'est interdit. Pas en bas, c'est autorisé, mais même en haut et en bas, c'est interdit parce que tu utilises l'arbre. Ouais. Et tu n'as pas le droit d'utiliser l'arbre. Donc, ça, c'est la question de Tosfot. Maintenant que je ne connais pas encore que la Mishnah, c'est la Bible. Ah oui, mais si l'Akshouye, j'aurais pu, au Dagmara, elle aurait pu poser la question que ben le mal, ben le mat, ça ne marche pas parce que tu utilises l'arbre. Alors pourquoi Dagmara, elle a dit ben le mal, ben le mat, ça marche? Parce que c'est un Shtou Yahid, Verla de la Rakhia. Réponse de Tosfot, et là, des palirs qui vont de le mat à Averirouv, puisque en bas, le Tana a dit que c'est Averirouv. Ok? Quelle que soit la raison, il a dit que c'était un héros en bas, n'est-ce pas? Alors pourquoi en haut interdit? Tu dois dire en haut comme en bas, parce que dans la Shoté Yahid, il n'y a pas de différence. Puisque si en bas tu m'as autorisé, ça veut dire que tu n'as rien à faire de ton histoire d'utiliser l'arbre, alors je ne comprends pas, même en haut, tu devrais autoriser. Les malanami, il y avait un héros, des héros, des héros, mais comme un. Très bien. Prochain Tosfot, la Gemara a dit des rechuteurs et de l'air de la Kia. Pourquoi il n'y a pas de différence entre en haut et en bas? Parce que le rechuteur, il monte jusqu'au ciel. Donc ça s'appelle que toujours lui et le Hérouf, ils sont dans le même endroit. Soit disent, doit avoir salir l'aïta, mais des rechuteurs et de l'air de la Kia. Des ennemis avec ma compteur ou Hérouf avec ma compteur. Et là, Emmet, tu n'as pas besoin de dire que lorsque le comment on appelle ça, là, le. Aïrouf se trouve au-dessus de 10, c'est aussi un Shtou Yahid. Même si tu avais dit que c'était Makom Ptour, bon, c'est sûr que ce n'est pas Shtou Yahid, mais même si tu avais dit que c'était Makom Ptour, ça aurait marché, tu aurais pu le prendre. Pourquoi j'ai dit Orléans de la Kia? Parce que c'est le Hémet. Bien que je n'ai pas besoin, comme c'est le Hémet, je l'ai dit. Prochain Tosfot. A Kamishtamesh Beilad. Piresh Rashi. Dehu Adin. Dehawe Masil Mifrach. Wa Kamaychi Mikarmelit El Shtou Yahid. Et la Hadam Mishte Pirche Nakat. La Gemara a posé la question. Elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi, quand le Arouf se trouve en dessous de Jitfahim, ouais, c'est autorisé. Mais il utilise l'arbre. Rachid dit, mais il y a une autre question.
Mais puisqu'il se trouve en deçà de Dit Fahim, c'est un carmélite. Et si c'est un carmélite, il est en train de prendre du carmélite pour le chute à la Bible. Mais si c'est l'interdit de la banane. Rachid Yanakhenami, j'ai deux questions. Les deux, elles sont équivalentes. Je pouvais poser l'une, j'ai posé l'autre. D'accord? Il n'y a pas de chia. Voilà la réponse de Rachid. Hada mishte pirche naka. Par contre, au Mahari Mefaresh, si j'avais posé la question, mais voilà, ça c'est le carmélite, je peux te répondre que le bonhomme, là où se trouve l'arbre, le sol, eh bien c'est aussi carmélite, donc ce n'est pas un problème de prendre du carmélite au carmélite. Par contre, c'est pourquoi j'ai choisi la question de l'arbre, Mishtamesh Bailan, parce que cette question, je n'ai pas de réponse si je ne dis pas que ça suit la chita de Rabbi. C'est clair. Baruch Adonai le'olam. Amen. Oui, amen. Hazak baruch rabbeinu. Ça va être une autre souvia. Allez, hazak baruch à vous tous. Hanukkah sameach. Well, tomorrow is the last day, yes? Ma? I said tomorrow will be the last day. Demain, ça va être le dernier jour de Hanukkah. Ouais. Voilà, oh là là, oh là là, oh là là, oh, very nice. Ouais, oui. Parce qu'on est déjà bien qu'on n'est pas parti à l'école, Amos. Hein. Hak Sameach, Hak Sameach. Allez, Hak Sameach. C'est bien, c'est bien. Alors, comment il s'appelle le petit bonhomme là qu'on a vu tout à l'heure du ministre Blainara? Le petit bonhomme, lequel bonhomme? Le bonhomme de Rebbe, de Rebbe. Il est parti, ça y est. Ah ouais, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Ok. Alors, c'était qui le mariage de qui aujourd'hui? La fille de Ishaq Bitan. Oui, la fille d'Ishaq Bitan, elle a épousé. Mais tu m'as dit, tu as vu le chichet Trabel, c'est non? Tu as vu le chichet Trabel? Je ne sais pas. Le chichet Trabel, c'est le Mesoud, ou la bête Mesoud, ou la chichet Mesoud. Je ne connais pas la vérité, je ne sais pas du tout. Écoute, fallait dire bientôt, c'est pas possible. C'est incroyable. Non, non, non. Je vais déposer plainte à Sion Hori. Sion Hori, ouais. Non, il s'en fout. Il y avait une brief mila aujourd'hui, le petit-fils de Sion. Ah, le petit-fils de Sion. Ouais. Mazel Tov. Mais attends, t'es pas sur le groupe de la Gigi, toi? Ah non, 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 Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, je ne sais pas, le groupe de la Gigi, ni le groupe de la bébé. Hein. Non, non. Non, sincèrement, c'est bien. Non, t'aurais su, ils ont fait un zoom en direct. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me manque. Bon. Mais il y avait Avner là-bas, on l'a vu en vidéo. Ah oui, Avner, bien sûr, c'est... C'est bien sûr. Avenir mort, mon echt mort, Sion, non? Ouais, je sais. Et tu veux, je me lis gadi, que me lis gadi, et que tu es. C'est vrai, non? C'est pas la vérité, je sais pas ça. Baruch Hashem, Kenirbo, c'est bien. C'est le premier du coup, il avait une autre fille, non? Quoi? Ou le premier enfant. C'est le premier enfant ou le premier garçon? Non, il a un garçon. Le Manum Sid, Misid. La fille de Sion, elle a eu un garçon. Ah, la fille de Sion, le Tunisien, là. Je ne sais pas, c'est un quoi? La fille de Sion, je ne sais pas. C'est pas Dov Atour, c'est l'autre, la fille de Sion, c'est mariée avec quelqu'un qui l'a fait sa alliée après elle est descendue. C'est un. Voilà. Oui, oui. Ok. Bon, allez, là, la Tov, Khoel Aziz. Là, il est Tov. Bye, bye. Bye.